Cours d'espagnol. Présent des verbes en are, er, ir. Le présent de l'indicatif. Alors, il existe trois conjugaisons en espagnol. Les verbes terminés en are, les verbes terminés en er, les verbes terminés en ir. Il y a aussi le verbe pronominal qui se termine en c. Par exemple, hablar, qui veut dire en français parler. On va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. Et on va dire, yo hablo, tu hablas, él, ella, usted habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Le verbe aprender, qui veut dire apprendre. Aprendo, aprendes, aprende, aprendemos, aprendéis, aprenden. Le verbe vivir, qui veut dire vivre. Vivo, vive, vive, pardon, vivo, vives, vive, vivimos, vivis, vivem. Le verbe llamarse, c'est un verbe pronominal qui se termine par c, ar, c. S'appeler. Me llamo, te llamas, se llama, nos llamamos, os llamáis, se llaman. Ejercicios, c'est-à-dire des exercices. Ejercicio 1. Alors, voilà l'exercice. Vous pouvez bien sûr mettre pause. Alors, essayez de trouver la bonne réponse. Comment te llamas? Est-ce qu'on va répondre par me llamo, un seul L, Sonia, ou bien me llamo, deux L, Sonia, ou bien te llamo, Sonia. Voilà. Vous cochez la bonne réponse. Après, on a ella, esta, están, esta, en Francia. Estos chicos vive, vive, viven en España. Tú habla, hablen, hablas alemán. 5. Ellas, nosotros, vosotros, lleváis una camiseta azul. Alors. Número 1. On dit, ¿cómo te llamas? Me llamo Sonia. Après, ella está en Francia. Après, estos chicos viven en España. Après, tú hablas alemán. Après, vosotros lleváis una camiseta azul. La suite. Yo, est-ce que yo tienes? Yo tengo ou bien yo tengo el pelo rubio. Après, las profesoras. Vous cochez la bonne réponse. A los alumnos. Una niña. Vous cochez la bonne réponse. Por la calle Morgio. Après, este chico se. Vous cochez la bonne réponse. Alex. 10. Numéro 10. Rick. Vous cochez la bonne réponse. El pelo negro. Alors, on passe directement à la correction. Yo tengo el pelo rubio. Las profesoras entienden a los alumnos. Una niña camina por la calle Morgio. Este chico se llama Alex. Rick tiene el pelo negro. Ejercicio 2. Mi hermano, mucho. Donc,
Ici, le verbe qu'on va conjuguer, c'est trabajar, qui veut dire en français travailler. Et là en bas, on a bien sûr la traduction en français. Mon frère travaille beaucoup. Alors, mi hermano, le verbe c'est trabajar. Qu'est-ce qu'on dit? On passe directement à la correction pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, mi hermano trabaja mucho. Mi hermano trabaja mucho. C'est-à-dire, mon frère travaille beaucoup. Après, qu'est-ce qu'on a? Mis niños, el pastel. Le verbe qu'on va conjuguer, c'est probar, qui veut dire en français goûter. Et on dit, mis niños prueban el pastel. Mis niños prueban el pastel, qui veut dire en français, mes enfants goûtent le gâteau. Après, tú, el tren. Le verbe c'est coger, qui veut dire prendre. Est-ce que tu prends le train? Est-ce que tu prends le train? Donc, on conjugue ce verbe coger et on dit tú coges el tren, tú coges el tren, tú coges el tren. Est-ce que tu prends le train? Après, ellas cantar. Ellas, elles, pluriel, féminin. Cantar, c'est chanter. Elles chantent. Alors, on conjugue ce verbe cantar et on dit ellas cantan. Ellas cantan. Elles chantent. Après, yo no mucho. Yo no, le verbe qu'on va conjuguer, c'est dormir. Il dormira. Alors, je ne dors pas trop, je ne dors pas beaucoup. Yo no duermo mucho. Yo no duermo mucho. Après, nosotras, aquí. Le verbe qu'on va conjuguer, c'est vivir, qui veut dire habiter. Nous habitons ici. Et on dit, nosotras vivimos aquí. Nosotras vivimos aquí. Après, en España la gente a las tres. Le verbe, c'est comer. On dit, en España la gente come a las tres. En España la gente come a las tres, qui veut dire en français, en Espagne, les gens mangent à 3 heures. Après, yo, le verbe, c'est beber. Et on dit, yo bebo un vaso de agua. Yo bebo un vaso de agua. Qui veut dire en français, je bois un verre d'eau. Je bois un verre d'eau. Après, mi padre, le verbe qu'on va conjuguer, c'est poder, qui veut dire pouvoir. Hablar ruso. Mi padre puede hablar ruso. Mi padre puede hablar ruso. C'est-à-dire, mon père peut parler russe. Numéro 10. Numéro 10. Esta chica siempre mentiras. Le verbe c'est contar. Et on dit, esta chica cuenta siempre mentiras. Esta chica cuenta siempre mentiras. C'est-à-dire, cette fille raconte toujours des mensonges. La suite, directement à la correction. Los trenes llegan a las 12. Los trenes llegan a las 12. Les trains arrivent à 12 heures. Vosotras, mucho dinero. Apostar. Vosotras, apostáis mucho dinero. Vous pariez beaucoup d'argent. Tú, ir a la escuela hoy. Tú debes ir a la escuela hoy. Tu dois aller à l'école aujourd'hui. Este hombre escribe muy bien. Este hombre escribe muy bien. Cet homme écrit très bien. Pourquoi? Insistis. Pourquoi insistis? C'est-à-dire, pourquoi vous insistez? Elle, le verbe c'est mostrar, attention, elle muestra su nueva moto. Elle muestra su nueva moto. Il montre sa nouvelle moto. Mi hermana pequeña juega. Mi hermana pequeña juega. Ma petite sœur joue. Este avión a París. Este avión vuela a París. Cet avion vole à Paris.
Elle muy rápido. Elle apprende muy rápido. C'est-à-dire, il apprend rapidement. No muy bien. Le verbe c'est entender. On dit no entiendo muy bien. No entiendo muy bien. Je ne comprends pas très bien. Cours d'espagnol.